jour comme les autres, un beau matin de la belle saison. La vie aventureuse passe avec les maisons roulantes du cirque en voyage au long des routes, à travers les villes encore endormies. Toi. Oui, toi. L'homme de nulle part, sans pain et sans papier, riche seulement de tes mains dont personne ne veut. C'est ta vraie patrie qui passe. Attrape-la ou vole. Le cirque a toujours besoin de gars comme toi. Et toi, tu dois manger, pas vrai? En route. Cargo chargé de rêves jette l'ancre sur la place de la petite ville que cette escale va pour un jour éveiller à des magies nouvelles et fugitives. C'est bien le temps de déranger le maître. D'un seul bond, l'équipage est précipité au travail par l'impitoyable sirène, par l'impitoyable, l'infatigable capitaine de cette flotte dont il se juge le maître absolu avant Dieu. Qu'ils en profitent, ces merveilles, trop heureux d'aider comme ils peuvent les gens du voyage. Qu'est-ce qu'on t'avait dit qu'elle était lourde? La toile, par dos d'homme, 150 kilos. Maintenant, grimpe à la pomme tricolore du mât. Et roule la voile. T'en les écoutes. Hisse la toile. Courbe le dos sous de nouveaux fardeaux, matelots de la grande route. Tout est paré. Le cirque est prêt. Comme un champignon à la croissance miraculeuse, le cirque, corps nomade immobilisé parmi les citadins, étale sa gigantesque ombrelle. Étale des merveilles devant ses admirateurs endimanchés qui se sont fait beaux, eux aussi, pour rendre sa visite au monde inquiétant de la jungle.
fonce-toi bien cette idée dans la tête. Les gens du cirque ne savent pas se reposer. Puisque c'est dimanche matin que le cirque est monté, il n'y a rien à faire. Répétons. Travaillons. Et les coups de fouet ne claquent pas seulement sur la croupe du cheval. Trovato molto bene. Complimenti. Brava. Malheur à l'enfant de cette ville qui n'en vit pas le sort de ce petit garçon, Romuald, de cette petite fille, Lydia. Et salut à monsieur Achille, père de Lydia, oncle de Romuald. Achille, l'homme de fer, dieu de cet univers. Ayant constaté que le monde qu'il a créé est en ordre, Dieu endosse un petit costume et va se mêler aux mortels. Eh bien, toi, mange, tu l'as gagné. Je suis trop fatigué. Je n'ai plus faim que de repos. Lève-toi. Tu ne sais pas l'heure? Va t'habiller. Fais le placeur. Écoutez, c'est l'heure sacrée, l'heure de la matinée. Autre moment, autres travaux. Le navire est lancé. Sur le rond lumineux de la piste, où brille et se justifie tant d'efforts, tant de peines, la représentation avance de rire en rire, comme une machine bien réglée. À peine est-il sorti de la piste où, pourquoi le cacher, il s'est bien amusé. À peine est-il démaquillé que des soucis politiques assaillent le maire. On a osé. Les hommes d'un cirque rival, la concurrence est rude. Ces hommes ont osé toucher à ses propres affiches, les déchirer. C'est là une question délicate que seul M. Achille peut résoudre. Car il y faut du tact. Du doigté. La manière. Il fait clair jour encore après la matinée. Avant la soirée, chacun suit sa petite idée. Monsieur le directeur va en famille voir des bagarres et des chevaux pour changer. On danse devant ce que vous appelez des roulottes et eux des caravanes. Les petits garçons s'amusent avec les petits poneys et les grands garçons avec les grandes filles. Et la soirée venue, le cirque recommence. Il brille maintenant dans la nuit comme un arbre de Noël, avec des polichinelles étranges,
de séduisantes poupées accrochées à toutes ses branches. Mais la fête finit, trop tôt, comme toutes les fêtes. Heureux enfants du cirque, qui allez dormir après avoir joué au clown. Heureux spectateurs que vous parlez encore entre vous des merveilles du cirque. Et le cirque n'est déjà plus là. Et la musique fait passer les heures. Les heures qu'on passe à travailler de minuit au matin, et sans jamais se reposer. Les gradins, les mâts. Le chef monteur est là pour y veiller. Il s'en ira bien après toi. Il sombre. Le travail fini. Pas fini pour les mécanos, en tout cas, ni ceux-là qui ne prennent même pas la peine de se coucher. Ce n'est plus hier, c'est aujourd'hui. Une nouvelle aube. Immense jouet rangé dans ses boîtes. On s'en va, tout le monde. La belle dompteuse, l'électricien, les camions, et même ceux qui ont passé toute la nuit au bistrot. On s'en va, le clown et le marchand de nougat, on s'en va. Un peu le visage vers le ciel, sans voir les nouveaux paysages, les nouvelles villes, sans savoir que Monsieur Achille traîne derrière sa moto enragée, traîne et pilote le convoi sans repos, sans répit. Et c'est fini. C'est-à-dire que tout recommence avec le nouveau jour, avec la nouvelle ville à conquérir. Au travail ce matin, cette nuit, demain matin. Il y aura tout à l'heure un cirque. Sur cette herbe où il n'y avait rien.